Salut à tous, c'est Indedai, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Wall World qui est, on va dire, assez similaire au jeu Dome Keeper mais qui a ses petites différences. On est ici sur un aspect roguelite qui vous permet à chaque partie de petit à petit recommencer pour devenir de plus en plus fort. L'idée c'est que le jeu est franchement très prenant et au lieu de se déplacer comme sur Dome Keeper de haut en bas, et ben là, on va se déplacer de gauche à droite tout simplement. On a notre petite araignée qui peut également monter, descendre le mur. Et on va pouvoir maintenant creuser. Donc là, au lieu d'avoir juste une simple, vous savez, une espèce de petite foreuse, on a une foreuse laser. Donc on a un peu évolué niveau technologie, on va dire, par rapport à Dome Keeper. Mais le jeu, vous allez voir, est très très sympa. Allons-y. Hop, je récupère jusqu'à sous les blocs. Alors, ce qui est bien par contre dans ce jeu-là, je trouve, c'est qu'on n'a pas besoin de chercher à optimiser, on va dire, chaque filon qu'on trouve. Tout simplement parce qu'en fait, à chaque fois qu'on casse un bloc, on gagne de la monnaie du jeu. Et donc cette monnaie-là, c'est la monnaie permanente. Ce qui veut dire que ça nous aidera beaucoup pour la suite. On n'a pas besoin d'optimiser. Alors la monnaie permanente, si vous voulez, ça veut dire qu'effectivement, on garde la monnaie. C'est-à-dire que même si on meurt, c'est pas grave parce que c'est cette monnaie-là qui va être prise en compte pour les améliorations pour les prochaines parties. Donc vous pouvez prendre le temps puis faire les choses bien, tout simplement. Hop là, parfait. Par contre, on peut voir la barre rose en bas à gauche qui s'active, ce qui veut dire que là, clairement, on va avoir malheureusement du monde. Ok, là ça me paraît pas mal, je récupère. Ok. Encore, voilà, parfait, on peut tout débloquer, tranquille, chill. Voilà, ça me paraît plus que correct. Hop, on creuse partout. Alors pourquoi je creuse partout? Bah parce que c'est le jeu, alors cherchez pas à m'emmerder, faut creuser partout, c'est comme ça. Est-ce que je vous dise? Est-ce que c'est ma faute? Bon bah alors, fou ça, c'est insupportable. Vous êtes insupportable, voilà, je préfère vous le dire. Merde. Voilà, excusez-moi, je vrille un petit peu. Vous voulez vous engueuler, y a pas de raison. Mais c'est parce que là je m'ennuie, je creuse, alors j'attends. Voilà, qu'est-ce que je vous dise de plus? Ok, donc là je vais pouvoir remonter très gentiment, je vais pouvoir remonter ici. Hop, et je vais me pointer. Alors à la fin du timer, j'ai un big boss qui débarque et qui veut clairement me péter la rondelle, si vous me permettez l'expression. Si vous ne me permettez pas, bah allez-vous-en, ce que je vous dise. Donc je viens ici tranquillement, hop, et je creuse. Je creuse encore une fois parce que je se résume à creuser. Alors franchement, les gars, je suis moqueur, mais le jeu vaut, je crois en ce moment, il vaut 4 balles, je crois. Au lieu de 8 euros. Et même à 8 balles, j'ai eu à 4 balles, je vais pas vous le cacher. Mais même à 8 balles, j'aurais été plutôt content parce que je trouve que le jeu est vraiment sympa. On va vite essayer de. Hop, on grave, vous voyez. Waouh, accélération, ça n'a pas duré longtemps, mais j'étais content. Le fun est déjà épuisé. On y va, je creuse, et là je vais pouvoir défendre. Là je défends. Voilà. Alors, c'est bon ça. Ah oui, d'accord. Regardez, il cherche la merde. Hop, regarde, petite roquette. Il est dans ta rondelle. Excusez-moi, je me suis un peu emballé. Ok, je creuse. On récupère plein de ressources. Les différentes ressources nous servent à améliorer notre arsenal. Parce qu'effectivement, enfin pas du club arsenal, hein. Les gens qui ont cru ça, vous êtes juste naze. Mais concrètement, ça nous permet d'améliorer notre arsenal, donc notre armement tout simplement. Je vais vous montrer l'arbre de compétences qui est plutôt pas mal. A savoir qu'au fur et à mesure vous débloquez du coup des nouvelles technologies, que ces nouvelles technologies peuvent être également améliorées. Ça c'est quand même plutôt pas mal. Ce qui veut dire que votre arbre de compétences, votre arbre d'amélioration va s'élargir en fonction des ressources que vous avez. Dans la partie précédente, dans une grotte, j'avais trouvé un artefact qui me permettait d'avoir un drone de combat. Ça c'était quand même plutôt cool d'être aidé par un drone. Et j'avais trouvé également une technologie pour construire des tours. Alors, on peut optimiser, hein, vous voyez, en faire deux par deux. Vous voyez, si on se met bien au milieu, on peut en faire deux par deux, mais je m'en fiche un peu. Je joue pour le lol, pour le fun, pour le plaisir. La barre rose est en train de se monter gentiment, ce qui veut dire qu'on va avoir des méchants qui vont se pointer dès que la barre rose aura atteint son paroxysme. Le bémol, c'est que la barre bleue, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Pour être honnête, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Je peux pas vous dire, je vais pas vous mentir, faire genre je connais le jeu, je ne sais pas. J'ai eu l'occasion de parler avec les développeurs qui ont été très sympas mais qui m'ont très gentiment dit qu'ils m'enverraient pas de clé. Donc désolé, je peux pas vous en faire gagner. Tant j'ai demandé. Alors hop, on y va. Je balance. Oh là 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 là, la roquette dans le crâne. La roquette dans le crâne, les frérots. J'ai mis tarif, hein. Oh lui, regardez ce petit machin là. Il tape sur mon gros squelette en métal. Alors l'amélioration c'est ça, on peut améliorer du coup la mitrailleuse qui nous permet de faire plus de dégâts, plus de cadence de tir, plus de tout. L'exocombinaison qui nous permet d'accélérer notre vitesse de déplacement, d'augmenter la probabilité qu'on touche des ressources, d'améliorer l'efficacité de la foreuse. Et l'araignée robot qui permet de la réparer, de l'automatiser, de faire plein de trucs, mais généralement c'est très compliqué parce qu'on a rarement les bonnes ressources. Voilà, je préfère vous le dire, je vais augmenter un peu la vitesse de déplacement, la vitesse de la foreuse, les chances d'avoir de l'équipement un peu plus rare qui tombe, et je repars creuser, parce que voilà, je suis heureux de le faire. Allons-y. Vous voyez, la foreuse est quand même nettement plus performante. Et celui qui me dit, non, Andy, c'est pas vrai, bah t'as qu'à regarder, ouvre tes yeux, tu verras. Merde. Bon, voilà, là on y est. Et puis si on tombe sur Jupiter Montagnier, bah là qu'à écouter. Qu'est-ce que je vous dise? C'est bien de faire du piano, mais faut aussi écouter et regarder des fois. Merde. Ah, hop, là on y va. Oui, aujourd'hui je suis en forme, j'ai ma petite chemise hawaïenne, je suis en mode vacances, alors je suis pas en vacances. Mais bon.
fait comme si j'y étais. Ok, là on y est, on est pas mal. Voilà, regardez là, c'est la masse de ressources. Alors, c'est pas les bonnes ressources, mais c'est pas grave. Vous allez me dire, Ardé, c'est quoi le truc que t'as un petit peu en bas là? Oui, bah c'est un artefact. Voilà, c'est un artefact. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Les artefacts me permettent de débloquer des nouvelles technologies, donc c'est assez rare et assez difficile d'obtenir. C'est ça qui est cool. Regardez, je vais ramener à la base, de toute façon je suis plein. C'est ce qu'elle disait aussi. Alors. On a quoi? L'artefact. Mais vas-y, active-toi là, frérot. Ah, t'as pris du temps pour s'activer. Mais tu feras un drone de combat. Nice. Donc là, un nouveau drone qui va m'aider à combattre. C'est le principe d'un drone de combat. Je sais que ça paraît étonnant. Mais des fois, il n'y a pas de surprise, des fois, c'est comme ça. Là, je m'éloigne un tout petit peu trop de la base, j'en ai bien conscience, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai des coronets, hein, vous savez, je les pose sur la table, ça fait un dindon. On creuse, on. Voilà! Voilà, je creuse, et pas seulement ma tombe, je creuse tout! Voilà! Bon, je vais quand même y aller parce que j'ai des coronets, mais pas longtemps. Je suis un peu comme Byron, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai des coronets, mais pas beaucoup. Alors, on avance tranquillement. Si Byron regarde la vidéo. Alors, on y va. Allez, go! Oh là, comment je vais faire, moi? Comment je vais faire? Oh là là là, c'est chaud, ils sont hyper nombreux. Arrêtez-le. Bon, certains vont me dire il y en a 4. Eh bah tant pis pour vous. Qu'est-ce que les je vous dise. Allez go, on y va. C'est mon métier hein, d'extrapoler hein. Dès qu'il se passe un truc dans ma vie, j'en fais des caisses, c'est normal, je suis youtubeur les gars. En vrai, plus sérieusement, on n'a pas beaucoup de ressources, c'est un peu embêtant. Le jeu par contre se compose vraiment sous forme de run, donc ça va être cool parce que ça veut dire que ça va pas demander de montage, donc j'aurais pas besoin de m'embêter. Et vous, ça vous fait des vidéos tranquilles. Ah mais je suis hyper honnête hein, j'ai pas m'embêter au montage hein. Je vais mettre mon intro là où trop les boutons s'abonner, bonne journée au revoir. Et oui les gars, vous allez me dire oui Indé, c'est pas très gentil. Non, c'est honnête les gars, arrêtez. Des fois la gentillesse ne résume pas l'honnêteté. Byron n'est ni honnête ni gentil. Bon voilà, là on y est, tac, 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 tac. Encore un, voilà, c'est ça que j'aime. J'aime quand ça claque, j'aime quand ça croustille. On a quoi par là, on a quoi. Je suis sûr qu'il y a un truc là-dedans, Allez, encore. Ah la vache, c'est profond hein. Wouh, c'est quoi ce machin là? C'est quoi ce bordel? Oh par contre c'est stylé, je sais pas ce que c'est mais c'est stylé. Un artefact, vous avez trouvé un shotgun, waouh. Arme à grande portée, fait cadence, waouh, c'est génial. Alors sans en faire des caisses, ça fait ouais, c'est une bonne chose. Mais avec un dead eye, ça fait waouh, mais c'est incroyable, waouh. Mais qu'est-ce que c'est que cette arme? Alors là, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans cette grotte. Ah bah écoutez, on est youtubeur, on l'est pas. Hein. Moi perso, quand je fais des courses, tu vois ce que je veux dire, quand je fais des courses. Je dis pas quand on me dit vous voulez du pain, je fais waouh, vous me proposez du pain. Toujours. C'est YouTube, alors t'en fais toujours des caisses partout tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ok, alors, on peut essayer une nouvelle arme. Si j'ai envie déjà, tu peux me laisser ma liberté d'expression. Vous avez vu comment on nous bride dans cette société? On nous bride genre essayer une nouvelle arme. Si j'ai pas envie, je le fais pas, frérot. Alors bon, je vais faire ce que ça me tente bien. Mais j'aurais pu ne pas être d'accord. C'est un peu pété son arme, sans déconner. C'est un peu de la. Alors je pense qu'à courte portée c'est bien, mais là comme ça c'est naze. Je sais, c'est un fusil à pompe, je sais. Mais en même temps, un fusil à pompe, quand t'as la courte portée, c'est bien. Mais ils sont pas à courte portée! Ah si, quand même, c'est pas mal. Oui, c'est, des fois, c'est pratique. Des fois, c'est bien. Des fois, c'est bien, mais pas tant que ça. Là, regardez, le temps que je perds, c'est nul! C'est nul! C'est nul, monsieur le développeur! Vous êtes nul! Non, non, je dis pas ça comme ça. Ils sont très gentils, les développeurs, mais... Mais bon, moi, j'imagine. Non, le jeu est cool, en vrai. Alors, on a quoi? Oh là là! Ça va de l'amour dans un verre de pastaga! Ok, j'y retourne. J'y retourne. Voilà, parfait. Par contre, le bémol que j'ai, c'est que là, j'ai rien pour réparer. J'ai rien du tout pour réparer, honnêtement, la reine de guerre, la machine de guerre, la forteresse de guerre. Ouais, toujours plus, et alors? Et on va essayer de changer de. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va sortir de la mine. Putain, par contre, on n'a pas de ressources en vrai. Alors, je vais essayer de regarder. Waouh, l'animation! Wouh! Ça vaut au moins les 4 balles. Non, en vrai, le jeu, il vaut largement les 8 balles. Même à 10 balles, je l'aurais pris. J'aurais d'abord demandé, on m'aurait d'abord dit non, mais j'aurais quand même fini par le prendre. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on arrive dans les nuages. On arrive dans les nuages. Ok, bah let's go, on monte. Alors j'ai augmenté de 40% la vitesse de l'araignée. Hein. 40%. Autant vous dire que ça représente une vitesse de 40%. C'est génial. Oulala, ça y est, on voit encore mon corps. Qu'est-ce qui se passe? Laissez mon corps tranquille. Oh demoiselle, laissez-moi tranquille. Ok. Encore, c'est que les débuts. Non, je ne suis pas d'accord cette fois. Oh merde. Oh la fusil à pompe. Boum. Allez. Il va péter son vieux crâne à celui-là. Boum, fusil à pompe. En fait, c'est pas mal le fusil à pompe, hein. Quand t'as envie d'arrêter d'être nul. Alors, ça donne quoi, là? Oh là là. Le drone! Frérot! Non! Mais non, mais ouais, mais forcément aussi, là. Il fait. Regardez, il fait n'importe quoi aussi, le monsieur, là. Mais tire! Mais lâche ton zombie, mais tire! Il est en train de regarder amourante, le monsieur! Mais non, mais lâche ton zombie, mais tire! Voilà! Vous avez pas pris le fusil à pompe, forcément, ça n'aide pas. On doit bien l'admettre que des fois, bon. Allez, encore. Oh là là, on est en train de leur mettre tarif là. Ah non, ils nous mettent tarif. Oh la vache. Il me reste plus beaucoup de points de vie, mais vous savez quoi? Il y en a qui vont paniquer. Moi je ne panique pas. Pourquoi? Oh parce que voilà, j'en ai marre de paniquer. Je vous dis tout le temps, des fois je panique pour rien. On est lundi, oh mon dieu, on est lundi. Bah ça m'arrive des fois de paniquer comme ça pour pas grand chose. Et là j'ai décidé d'arrêter. Encore. Allez,
Allez! Allez! Mais ils sont combien? Ils sont combien sans déconner? C'est quoi là? J'ai tout un pays qui débarque ou quoi là? Merde! Il sort d'arrêter, bon sang! En plus, j'avais même raté un point là. Ah, c'est quoi? Je me barre, on est plus en avant. C'est quoi? Allez, hop, moi, je vous le dis, je vous le dis, les gars, vide ma daronne, j'arrête. Oh oui, trop bien, c'est vert! Alors, par contre, encore passer une demi-heure à. Voilà, forcément, hein, t'as que ça à faire, vas-y, creuse! Non, ce qui est bien, c'est que c'est des ressources vertes, par contre, cette fois-ci. Ce qui nous permet de réparer notre araignée mécanique, de la mécanique de l'araignée. Ça, je trouve ça génial. Alors, un truc qui est bien, c'est que par contre, les ressources qu'on gagne, c'est-à-dire que plus on creuse dans des murs qui sont profonds, durs, etc., plus on prend de temps, plus on gagne 2 points. Ce qui veut dire que c'est parce que vous creusez 15 cases en bas, ou du moins les 15 premières cases vous rapporteront beaucoup moins que les 15 cases de fin de jeu. Voilà. Ok, amélioration, on va pouvoir réparer. Qu'est-ce qu'on a? Des balles, on a quoi? Des mitrailleuses, on a des... C'est qu'on améliore rien, nous aussi, on fait pas d'amélioration, mon drone. Ça fait quoi? Ça tire des rafales plus 5, cool. En vitesse de chargement, ouais, cool, nice. Dispersion, j'en ai rien à battre. Honnêtement, j'ai pas te le cacher, j'en ai rien à battre. La foreuse, on va prendre, parce que j'aime creuser profondément. C'est important, surtout dans ce milieu de youtubeur, mais c'est pas normal. Alors... Donne quoi? Ok, parfait, là on y est. Poup, poup, poup. Eh, la foreuse est quand même bien améliorée, hein. Voilà, là c'est cool. Ok, parfait, parfait, parfait. J'aime. Oh là là. Vas-y, récupère ça, s'il te plaît. Récupère ça, frérot. Récupère ça. Non! Mais récupère là, pas ton aspirateur, bon sang! Ils ont dû mettre un personnage féminin, c'est clair, j'aurais eu plus de facilité à l'aspirateur. Alors? Oui, je sais, je suis misogyne, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est de l'humour, hein. Ceux qui n'ont pas, bah, les fonds d'acheter, hein. Ça s'achète pour pas trop cher. Regardez Byron, c'est ce qu'il a fait, il s'en sort bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Allez, encore, encore, encore. Oh là là. Et on est bien, là. Putain, on est bien. Oh là. Alors, oui, oui, oui. Vous allez me dire, j'ai plus beaucoup de points de vie. Mais est-ce que vraiment, c'est un problème? Concept du jeu indé. Eh ben, voilà, tout de suite. Mais vous savez quoi? Je pense qu'il faut vraiment prendre les choses autrement. Ouh, on a trouvé une grotte. Il n'y a rien dans la grotte. Comment je suis déçu. Vous savez, c'est comme Byron. Il me déçoit beaucoup, des fois. Et voilà, je... Ouais, je passe des messages aujourd'hui. Byron, si un jour tu regardes cette vidéo, sache que... Voilà, sache-le. Alors, on a quoi? Là, on y est. Bam, bam, bam. Je récupère pas mal de... Ouais. On est bien, on est bien. Hop là, parfait. Ça, c'est cool. Oh oui! Encore du verre. Oh, c'est beau, ça. Oh la vache. Là, par contre, c'est des belles ressources qu'on a là. Je veux dire, c'est des belles ressources, là. Bon, par contre, on va devoir changer de trou. N'est-ce pas normal? Arrêtez avec ça! Arrêtez, le pauvre! Pour sang! Arrêtez! Putain, le pauvre gars, quoi. Enfin, le pauvre gars, non. Oh merde, je sais plus ce que je raconte. Alors, on est bon, là. On a plus qu'à changer. C'est parfait. Ok, on se barre. Par contre, les ressources sont où, là? C'est en bas? Je sais plus. Faut que j'aille, moi. Ouais, il y a un trou en bas, donc faut que j'aille en bas. Ok, amélioration, on va réparer quand même. Voilà, parfait. On va encore réparer, voilà. Oh là, on répare, mais qu'est-ce qu'on se met bien là? Ça y est, on est de nouveau prêt à se battre. C'est beau. C'est des savatés directs. Et franchement, on est plutôt pas mal, hein. Waouh. On a fait un bond qui sert à rien, mais l'animation était super classe. D'accord, ok, ça n'a pas suffi. J'ai passé au fusil à pompe. Boum. Boum. Voilà, et... C'est moi en train de les dérouiller là. On les a démontés? On les a démontés? Mais c'est génial! Allez! Non, va-t'en, va-t'en, fuis! Voilà, parfait, tu fuis. Oh, y a rien là-dedans, c'est abusé. Oh, y a rien là-dedans, les gars, c'est abusé. Oh la vache, j'espère qu'on va tomber sur une surprise, quoi. Genre un artefact, une grotte, une connerie comme ça, parce que là, c'est un peu la merde. Y a rien! Y a rien, frérot! Mais y a rien! C'est une honte! C'est une honte! C'est abusé! C'est abusé! On me donne 3 vies ressources dégueulasses, ça, sans déconner. Est-ce que vraiment j'ai besoin de points de vie? Moi, j'en ai pas besoin, j'en ai rien à battre, moi. Je suis en fou, moi. Arrêtez, mais vous savez quoi? Je pense que c'est le jeu qui s'habitue, il dit ouais, RD est trop fort, donc on lui donne rien. C'est normal, mais c'est normal. Moi, je me mets à leur place, exactement ce que je ferais. Déjà, je me serais pas laissé jouer. Enfin, dis non, le gars, il va déclinguer mon jeu, il est beaucoup trop fort, il y aura pas de difficulté. Normal, quoi, normal. Vous connaissez mon niveau de jeu légendaire, qui se résume généralement à perdre au tuto. Vous savez bien à quel point je suis doué dans ce genre de jeu généralement. Là, non, en vrai, je... Oh, bonne ressource. Ouais, bah finalement, ça a été. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi, on m'a jugé parce que j'avais la casquette à l'envers. Section d'assaut, 2002. On dit que la vie ne fait pas le moine, mais moi, on m'a jugé parce que j'avais ma casquette à l'envers. Eh ouais, j'ai des références qui sont de boomers. Alors, en même temps, quand j'ai ça, je suis même sûr que notre ami Byron, il sait même pas qui c'est, section d'assaut, à me dire c'est qui la section d'assaut, ils prennent qui d'assaut. Mais Byron, arrête! Connecte-toi à ton monde, bon sang! Excusez-moi, mais Byron me sort en ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais ça va partir, hein! Ça va partir! Ok, parfait, parfait, là on y est. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? À droite? Bon, ouais, franchement, les vagues sont minimes là! J'espère que je vais tenir au moins les 2 minutes pour que vous puissiez voir le boss qui va certainement m'éclater. Mais bon. Ok, parfait, on y est là. Eh, on les dérouille. On les dérouille comme un... Waouh, on les dérouille. Sans déconner, c'est monstrueux. Par contre, est-ce que je vais tenir le boss? Je suis pas sûr.
Je sais que sous la contrainte, j'ai dû jouer avec Byron et je sais que j'avais réussi à ce moment-là. Sous la contrainte, bien évidemment. Mais oula, attends. Oula, fusil à pompe là direct. Boum ! Boum ! Encore le fusil à pompe, voilà ! Ok, parfait, vite. Maintenant qu'on a détruit la vague, on va pouvoir retourner chercher le reste. Voilà, parfait, on y va. Hop, je sais qu'il y a plein de ressources en bas, mais je voudrais creuser là en attendant, pendant que j'y suis. Encore, encore, encore. Ouais, attends, avant de creuser là, je vais plutôt récupérer ce qui me reste parce que là, il y a quand même plus de ressources ici. Hein. Quand même plein de ressources ici, c'est parfait là. Oh, une autre grotte oh, trop bien. Ouais, alors c'est ça que j'aime. Tu vois, dans Dome Keeper, je crois, fallait creuser en boucle, vague par vague, c'était. Voilà. Là, on a vraiment ce côté où tu t'exportes toute la grotte et puis tu prends. Je trouve ça juste cool, quoi. Par contre, c'est pas des bonnes ressources. Des ressources très classiques, celles-ci. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Hein. Encore un peu, là, ça me paraît pas mal du tout. Est-ce que vraiment le boss me fait peur? Est-ce que vraiment je sais que je vais perdre? Oui. Est-ce que vraiment je suis inquiet? Non. Voilà, tout est dans la raison d'être. Ma raison d'être, c'est de pas m'inquiéter. Par contre, ça fait. Ah, non, ça, en vrai, ça me fait peur, là, par contre, sans déconner. Bon, au moins, on a détruit ça. On a fait le tour de toute la base. Finalement, elle était plus grande que ce que je pensais, mais bon, c'est de taille normale, c'est de taille moyenne. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, alors là, par contre, ça va être Shogun du slip là. Oh le boss! Oh le boss! Il va se ramener. Ça y est, le boss, se voilà! La vache, regardez, il a de l'acné! Faut tirer sur les boutons d'acné du boss! Oh la vache! En fait, c'est un combat contre la puberté, c'est ça le délire? La vache, allez! Esquive! Voilà! T'as esquivé beaucoup trop tard, mais c'est pas grave! Esquive! Waouh, c'est monstrueux! C'est monstrueux comment je fais des trucs qui servent à que dalle. Moi, j'aime, hein. Ah donc la barre rouge représente... La barre rouge c'est là où il va attaquer. Donc finalement c'est bien de se battre contre la puberté. Attends, je vais prendre le fusil à pompe parce que là ça devient un bordel. Non 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 non. Ils sont en train de me défourailler les frérots. Il manquait Blo. Il manquait Blo. Il manquait Blo. Je peux plus bouger. Ah. Je panique. Attendez 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 attendez. Je peux réparer. On répare. Tranquille. On répare. Tranquille. Là je peux plus réparer ça. Je panique. Ça y est. Là on y est. Mais avance. Fais des trucs. Tente des trucs. Fais quelque chose! Vas-y, descend! Voilà, parfait, combat contre la puberté, on gagne le combat contre la puberté! Non! Non, la puberté m'a eu! La puberté m'a eu! Mon pire ennemi, la puberté! Votre araignée robot a été détruite! Bah, tu m'étonnes, le mec, il a mis de la crème! J'en ai pas de la crème, moi, merde! Eh bah, écoutez, ce fut une belle bataille! Comme on dit, j'ai perdu la bataille, mais j'ai aussi perdu la guerre! Donc, on va pouvoir s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous encourage à vous abonner. Si vous le faites pas, bah vous êtes pas sympa, tout simplement. Qu'est-ce que je te dis de plus? Voilà, hein? Et puis, bah, merci d'avoir regardé. Je vous dis à plus tard! Ciao!